Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un grand plaisir aujourd'hui, en l'autre fois encore pour m'avec vous, pour me porter pour l'émission parlant mon éditorial avec Yannick. Eh bien, aujourd'hui, on a une émission tout à fait particulière. Et déjà, monde qui est habitué avec Yannick, il a remarqué que Yannick pas en forme. Yannick pas en forme depuis samedi, faut que je dise honnêtement. Je me sens instable depuis après nouvelle et assassinat qui passait sous Pont-à-Berlin, ils font massacre sous paquet de monde, plusieurs monde dans même famille et victimes par mes bandits qui ça a été fait qui nous nous trouvons dans une situation de barbarie en Haïti, une situation côté que et c'est criminalité net, c'est crime, c'est pas rien pour m'expliquer nos bagages ça parce que et inévitablement jodiant haïtien fuit responsabilité au gain haïtien a fui devoir yo droit yo gagner je dis pour défendre pays yo nous pas quitter tout temps soit petit groupe vagabond petit groupe bandi nous identifier yo pour la plupart et puis c'est même moun sa yo qui a terrorisé population pas comprendre je dis payant c'est seulement problème insécurité en gagner pas comprendre payant c'est seulement problème politique en gagner pas comprendre payant c'est seulement problème grand groupe problème chômage gagner en dépit de l'insécurité on gon paquet l'autre problème. Gon paquet l'autre facteur qui occasionne ça nous gen la, ça nan vive comme grand banditisme. Izo wè la, ti la plou wè la, l'anmo san jou wè la, vite l'homme wè la. Gon paquet facteur qui occasionne comportement moun sa yo. Gon paquet action y a posé, sou ap chèche nan fond, sou ap chèche, sou ap étudier moun sa yo. Ou ap wè jodi an la, société a. Ou ap wè autorité yo, ou ap wè faute de politique publique efficace, faute de résultat autorité yo pa ka bay parler bay en dedans pays yo. C'est ça mettez nous côté nous là. Ou ap gade ou sorti nan petit délinquance, jodi a ou gen grande délinquance, ou gen grand banditisme. Gon déclic, gon bagay ki mettez nous côté nous là. C'est pour un bon maton levé ou joindre gang là. C'est pour un bon maton levé ou joindre bandi. Bandi ça jodi a k'ap terroriser moun Matisse, k'ap terroriser moun Croix des Bouquets, moun Tabac, moun Peigné, moun Clestine, moun Delma etc. Nan ville de province nan Savien. Yo bon parcours, yo bon histoire. Eh bien jodi an, nous pral parler sur santé mentale. Nous pral parler sur conséquences. Sous conséquence épanouissement gagné pour chaque grain haïtien. L'on épanoui qui comportement ka gagné, l'on pas épanoui tout qui comportement ka gagné parce que jodi an la problème santé mentale l'an li à l'origine de tout ça na vive nan mitan société. Comprenez bien. L'on parle de santé mentale, c'est pas que ou di moun nan le fou, mais gon paquet de bagay le petit jeune nan le petit moun nan pas joine ni qui ka contribuer à faire vinon délinquant, qui ka contribuer à faire vinon gros chef gang ou gros bandi ka terroriser population. Et jodi an la que c'est haïtien ka vive en Haïti, que c'est haïtien ka vive nan diaspora en dehors pays, nous tous nous affectés avec problème santé mentale là. Et qui ça qui à la base, c'est occasion aujourd'hui pour me recevoir dans l'émission mon éditorial avec Yannick Etienne Jean-Roulet, un psychologue qui a la fois journaliste. Je dis à la baronne s'il a mis chapeau et journaliste de côté pour l'utiliser chapeau psychologue là seulement, mais nous gagnons pile en pile parole pour nous parler. Et déjà m'a invité au partager vidéo. On connaît bien bon fanatique moun senti bon qui remet et qui remet pour mal chercher bon gens connaissance pour yo qui veut c'est pas seulement venir parler de André Michel. Nous connaît problème ça déjà, nous connaît maladie ça déjà, nous connaît poison social ça déjà. Jodi on se chercher de manière technique, de manière scientifique vrai problème peuple haïtien gen, vrai problème société a gagné, vrai problème qui a plongé chaque grain haïtien dedans pays. Donc, avant de faire place avec Etienne Jaoulin, nous allons parler, mais il faut que nous rappelons que le projet rentrer l'école là, le projet pour nous voir 150 000 l'école là, il n'est pas campé. Il n'est pas campé et nous très loin là. Nous très loin, jusqu'à présent, nous très loin pour nous concrétiser le projet. Donc, comprenez bien. Si nous nous disons que nous demain. Comprenez bien, je dis, c'est l'éducation qui permet à Haïti de sortir de côté là. Nous essayons coup de chance déjà. Nous essayons vagabond déjà. Mais nous pas jamais voulu utiliser capacité, utiliser aptitude moun sérieux gain sous prétexte moun sérieux trop usu, sous prétexte moun éduqué trop usu. Non. C'est pas que moun éduqué trop usu, non.
C'est à partir de l'éducation pour nous construire, pour nous bâtir la société, nous réveiller. Nous faisons expérience vagabond qui a fait corruption, détournement de fonds, mettez pays à côté de l'IA là. Je dis à vous-même qui voulez contribuer, qui voulez aider dans le projet pour nous supporter 150 timoun. Non. Je n'ai pas tant de contribution, je n'ai pas tant de support. Nous loin pour nous réaliser le projet pour 150 timoun. Combien de timoun qui a espéré jouer en valise, qui a un livre, qui a un cahier, qui a l'autre bagaille là-dedans pour aller à l'école, dans ce moment-là, je vais vous dire exactement combien lié. Parce que moi-même, attends, moi, c'est réalisé. Projet, 150 timoun, 150 valises pour timoun yo joindre matériel pour yo à l'école. Ou même qui voulait contribuer 38 96 38 19 numéro a pas changé. M'a tant support, m'a tant contribution. Mais en pile chay palou, c'est quoi ça pour nous avancer. Donc préparons nous pral parler pays, nous pral faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. J'en ai déjà annoncé, je dis là, c'est occasion pour nous découvrir un jeune. Un jeune qui gagne deux chapeaux, il y a à la fois psychologue et journaliste en même temps, côté que nous pral parler sous différents et points importants. Dans le chapeau psychologue, là, nous pral wè état mental et peuple haïtien jodi, précisément, moun qui a vivre dans Port-au-Prince et face avec phénomène insécurité, grand banditisme qui a prolongé la société. Et également, nous pral parler de manière générale sous situation et pays qui fin dégradé. C'est un plaisir jodi, pour m'introduire dans l'émission Mon éditorial avec Yannick sous TAC 509, psychologue, journaliste Étienne Jean Roulet. Bonsoir Étienne, bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Bonjour Yannick, c'est un plaisir pour nous. Bonsoir Yannick, c'est un plaisir pour nous ensemble et chaque fois pour nous, il faut une opportunité pour nous capables de faire une bouche ensemble sur un sujet d'intérêt. Et ça fait quelque temps que nous pas véritablement fait une petite bouche autour de ce sujet quelconque. Et son plaisir, aujourd'hui, pour participer ensemble avec vous dans l'émission, ça, pour nous capables de regarder ça qui genre une situation pays à lui-même capable d'impacter la réalité psychologique qu'on a, et plutôt dans l'autre niveau aujourd'hui là, on va laisser regarder ensemble qui ça est réalité pays à lui, regarder les pistes de solutions que ensemble on est capable de dégager par rapport avec le minimum d'intelligence qu'on est capable de développer autour de ça. Non. Et son plaisir tout pour moi-même pour me recevoir et d'ailleurs faut moi dire mon ça c'est un ami de longue date et me content là je dis en dans situation ça dans occasion ça pour m'approcher voir lui dans émission et Jean Tedjo et psychologicien bon je dis là niveau insécurité qui a prolongé société hein, et problème grand banditisme kidnapping assassinat viol qui gagne et qui finit qui finit et qui a fini avec mon yo surtout dans Port-au-Prince dans la capitale pays et en tant que psychologue comment comprendre état santé mentale mon yo et surtout je dis est-ce que pas gagne nouveau maladie que mon yo a développé le que consultation qui a fait le gagne échange qui a fait avec patient yo qui comment ouais situation mon yo bien entendu Yannick en fait on va essayer mettez compréhension en tant que psychologue sur l'autre terrain parce que d'habitude dès que mon psychologue et soit par rapport avec analyse de la patente de psychologue c'est fait une analyse clinique de situation c'est une situation qui est liée par rapport à la compréhension de soit le pathologie qui a pris développé par rapport avec le monde que après surtout en individuel mais assez souvent mon n'y a pas comprendre que gagner un rapport social communautaire tout et intelligence développée sur le rapport que nous non seulement nous développer avec entourage, on a pas été entourage environnement que ce soit et dans la communauté que là que ce soit dans la société hein, et par rapport tout avec qui ça que société ça lui-même y offre en termes de pression en termes de opportunités mais en termes plutôt
de concret par rapport à l'évolution mondiale. C'est surtout sous base, nous allons essayer de regarder ensemble, nous allons essayer de regarder par rapport avec société et communauté, qui gens que nous arrivons à développer non seulement une série de formes de contraintes, qui mettent mon dans des situations qui sont extrêmement difficiles, qui sont capables de gagner de répercussions sur la question santé mentale, mais tout sur de l'autre comportement que nous sommes capables de considérer comme des comportements qui arrivent tout, qui peut permettre que mon salaire que nous allons parler de loi, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau individuel, capable de vivre, développer des symptômes de notre société carrément malade. En nous partie sur base en son compréhension historique de la réalité haïtienne, tout le monde vit sainement, pour mon animé vivre, pour mon animé vivre avec un minimum de santé mentale, faut au moins population, environnement, lui-même tout, lui participer dans tout ça comme capable de un minimum en termes de qualité de vie. Ça veut dire, si on a une situation haïtienne, je veux dire, situation sécuritaire, là, les vignes aggravées, ça qu'on est capable de faire, les qualités de vie de population. Parce que, on essaie de regarder ensemble, tout ça qu'on est capable de faire, les bons facteurs, et pour nous évaluer le niveau qualité de vie haïtienne, la population haïtienne, là, on commence par question misère. Donc, on a une situation, on est que, le profil haïtien, il y a vu, non, mais à l'époque, on a une poussine bagnon ou un cabogin et poussant en population haïtienne dans la carte d'évolution et de pauvreté. C'est un indice pour bon sur la qualité de vie de l'haïtien. Et oh, l'on parle de son sentimental, du fondamental pour que nous vivions à travers des politiques publiques d'abord. Améliorer la qualité de vie de la population pour nous capables d'améliorer la qualité sentimentale de la population et du coup, améliorer la qualité de vie. Mais ça qui arrive, c'est que, à quoi avec question misère, question chômage, question. Allô? Et en Haïti, c'est de comportements, mais c'est des résultats assez éloquents d'un malaise dans la société. Et c'est malaise ça qui est fondamental pour que nous-mêmes nous ensemble regarder comme un problème de santé mentale. Et donc, je vous dis, l'Haïtien pour se réaliser, l'IPAP, regardez le parcours avec Haïti. L'Haïtien, pour se réaliser, tout ça que l'il gagne dans la vie, c'est parti. C'est-à-dire, l'Haïtien vit perpétuellement avec une forme d'ailleurs dans la vie. C'est-à-dire, pour que l'Haïtien soit capable de réaliser la vie, seule possibilité de réalisation de soi et telle possibilité pour que l'il réalise la vie dans sa culture en termes de projection, c'est parti pour le parti. En plus, Haïtien a dit, pays en termes d'environnement, pas belle possibilité véritablement pour que l'on haïtien lui-même l'ériger, projeter sa vie dans l'avenir et dit à que le capacité de réussir et dans le système, ça. Ça a déjà vu dans notre problème, nos problèmes de blocage, ou une jeune un manque de positivité, ou une jeune tout un manque d'implication dans la réalité, autant civile que politique dans le pays. Ça veut dire, ça y est, on commence à regarder, oh. Même en partie de symptômes, on est capable d'expliquer que si on s'en fait par rapport à une dynamique beaucoup plus globale, que nous allons laisser mal garder par rapport à une dynamique des individuels, là nous allons essayer de garder le malaise dans la société, pour nous réveiller véritablement contre le problème de santé mentale dans nous-mêmes en Haïti. Là, tout le monde est là. Ou bien un pays qui n'est pas capable de vivre, garantir un minimum pour que nous devions nous projeter dans l'avenir, là, pour commencer, pour aller tomber sur une série de bagages, pour des espoirs, donc des questions, donc une situation de fuite, pour commencer à arriver vers ça qu'on est capable de
dans une situation de découragement, côté que tout le monde choisit de faire ça. Bon, dans une situation ça, pas rien qui est capable de faire. Et on voit que tout le monde choisit, mais dans le coin. Très souvent, on a enseigné de monde qui était très actif pendant un certain temps dans le pays, surtout sur le plan politique, qui a bataillé pour le SIH, changer de bagaille. Et puis, du coup, on a même campé. Yo campé et puis so yo pas fait rien, c'est comme si on était capable donc tellement situation en même temps déjà compliqué pour nous, c'est comme si on était capable de considérer même dans ça qu'il y a avec implication politique pour changer le pays, ou pas dire que mon yo soit en forme de burn-out ou bien mon yo tombé dans ça comme d'avoir pris en forme de fatigue de compassion etc, côté que mon yo carrément arrivé non point le dictateur, bon voilà, on ne veut rien faire. Et on est là pour que, au moins, j'aimerais que vous disiez, parce que, véritablement, on porte une sortie. Et l'on vit dans une situation, ça, en nos pays, c'est véritablement une fatigue psychologique qui met les citoyens dans une situation comme ça. Et qu'aucun pays n'est pas capable de développer. Sans que émotionnellement, la bataille pour changer la vie en d'un pays. Bah mon émotion, Étienne. Donc, si vous comprenez là, et du fait que les conditions n'ont pas réuni en Haïti pour épanouissement et peuple, pour épanouissement chaque jeune Haïtien, donc automatiquement, population haïtienne là, nous conditionner pour nous pour santé mentale, nous pas quoi, nous conditionner pour nous gagner et de manière psychologique des malaises, si bien comprendre là, puisque on va regarder dans ça qui gagne pour avec Oui, on va continuer à aller. Oui, puisque dans ça qui gagne pour avec droit, liberté mon yo rien pas respecté. Donc là, chaque jeune haïtien a fait face avec un état mental qui comme des cas dit ça, c'est au compte yo. Nous malades mentalement. C'est-à-dire, oui, malaise. Oui, malaise, c'est-à-dire, comment on parle bien dans ça qu'il y a avec santé mentale, il y a nous. Santé mentale, c'est pas, en fait, ça n'aura pas été comme ça, de définition, c'est pas seulement ça que nous parlons, en forme de malaise, et pas malaise, en fait, d'empêche de santé mentale, c'est pas une absence de maladie mentale, c'est pas ça que nous définissons. Mais, même pas de santé mentale, c'est toute possibilité. Qui gagne pour le monde lui-même, de sentir capable d'épanouir, d'évoluer avec toutes les conditions nécessaires, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Et là, pas être de santé mentale, je ne veux dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on est fou ou pas, non. Mais je ne veux dire, est-ce que vous-même vous sentez en condition pour réussir dans le pays? Parce que nous ne parlons pas de la base de la pyramide Maslow, hein. Qui définit différents niveaux qui peuvent permettre au monde d'épanouir et sentir que véritablement ils font avec des obligations en tant que personnel et social qui permettent de sentir une harmonie, qui permettent de sentir n'est pas gagné pour vos pressions, pour vos contraintes et que lui-même tout les sentir que lui-même une forme d'estime de lui-même par rapport avec une forme d'implication sociale. Par exemple, mon premier base qui gagne de besoins personnels, par exemple, comme on est capable de manger. Le monde qui n'est pas capable de manger, on ne peut pas dire que le monde est arrivé dans une situation où on ne peut pas dire qu'il y a une bonne santé mentale. Le monde, oui, il est en termes de push jeune, ou besoin de travail, ou un pays qui n'est pas capable, ou pas plutôt pas capable de travail. On va pas dire que jeune, ça, là, lui-même, lui sent-il dépendant de l'autre monde, ou pas le côté que ça peut lier ensemble avec les gens. Actualisation de soi, ça qui pourrait être bien seulement avec question estime de soi, moune ça par contre, c'est bien, la question autonomie, moune ça pour moune qui est autonome. Imaginez un jeune qui vient de 34 ans qui a fait un moment qui a mangé, etc., qui a dit on sait du bagage, mais moune ça lui-même n'est pas participé à la construction sociétale. Donc, nous ne savons pas cela, je ne dis pas travail, c'est parce que c'est à travers le travail qu'on participe et que nous-mêmes nous sentons que nous plus ou moins à contribuer à nos questions de vie communautaire. Mais là, pour un pourcentage de jeunes qui allaient à plus de 150 marronnais, qui finissent à l'université, qui n'ont pas capable de travailler, qui n'ont pas capable de faire rien, c'est-à-dire, pression, ça, ce n'est pas au même cas de chercher. C'est tout naturel que le jeune s'allie même dans une situation déplorable, une situation côté que véritablement il n'est pas capable de répondre avec exigence telle que définie par la pyramide de Maslow.
Donc, c'est que là, nos sociétés qui véritablement nous y a vérifié sur question de santé mentale, font au moins comprendre que gagner un stade au niveau du développement humain, gagner une série de bagailles fondamentalement pour bagailles ça haut, mon elle-même bien accès avec lui. C'est-à-dire, pour un petit monde qui va à l'école, qui n'a pas été santé mentale, il y a un petit monde qui va à l'école. Parce que lui connaît ouais, tout petit monde dans le quartier pas à l'école. Son bagage est en point par sur des mentales, tout le monde ça. Tout le monde s'est diminué. Il sentit que ça ne peut pas exister, même avec tout le monde. Il sentit que le droit pas exister, même avec tout le monde. Mais son problème de santé mentale, la question de l'éducation, l'accessibilité à la scolarité pour une série de tout le monde. Mais son problème de santé mentale, parce que dans l'âge, ça, tout le monde lui-même, il est fondamental pour lui, pour y aller à l'école, et que l'environnement lui-même, il conditionne le rôle social comme une élève. L'on commence qu'on est à l'entrée dans le stade jeune, 20 ans, 18, 25, etc. Sans engagement à la vie sociale qui est fondamentale, et en termes de rôle social qui vient de s'allumer, je suppose, rempli, faut au moins dire un travail qui va permettre de répondre avec conseiller nos besoins, qui va permettre d'être autonome. Mais là, pour arriver dans notre âge, ça, et que vous êtes à tout ça lentement par rapport à vous-même, et que société a coup, il y a tout ça par rapport avec vous-même, mais malheureusement, vraiment, pas beaucoup de possibilités pour répondre à la population, ça, carrément, vous avez une situation de malaise. Par exemple, ça qui est pas important pour nous comprendre dans la dynamique, côté que la pauvreté de santé mentale là, c'est ça qui est en termes de écart entre ça que mon ami m'a mis en termes d'attente et ça que réalité a lui-même présenté. Les convivinants et j'aime découvrir un petit écart entre deux situations ça, ça que vous-même vous avez en termes d'attente, en termes de projection et ça que réalité a évolué dans l'état là très grand, qui carrément automatiquement vivait produit au malaise. Par exemple, il y a des gens qui ont dit que c'est un jeune professionnel qui a s'intéressé, etc., pour qu'on ait toute capacité ou pour jeter au moins pour capable manger, pour faire des voyages ou pour capable cultiver attention, parce que fondamentalement, vous pensez que vous travaillez tout ça. Et voilà que réalité, on l'a regardé. Sans qu'on ait un thème de salle comme rentrée, il va même permettre pour véritablement soit bien manger. J'avais dit, tout le temps de gagner comme attention, ou pas venir voir que c'est bataille, soit pour bataille pour arriver à venir, ou bien tout simplement on est obligé de passer en PS ou non en termes de projet. Ça veut dire, et quand ça fait venir en attente et réalité, je viens carrément mettre dans une situation de malaise. Et... Allô? Allô? Il y a perdu Étienne. Allô? Étienne, allô? Communication a été coupée. M'entends, oui, mais bon, pose une petite question, Étienne. Par rapport avec la réalité, m'entends, vous entendez moi? Allô, très bien. Ok. Bon, pose une petite question. Par rapport, où tu as parlé de attente et avec la réalité, je dis, on a vu une société côté que les gens regardent l'inégalité sociale, les gens regardent qui grande différence qui gagne, c'est mon. Je dis, est-ce que nous avons parlé de classe moyenne, soit parler de monde qui riche, monde qui pauvre dans le pays, parce que nos classe moyenne, je dis, qui a appauvri, c'est eux-mêmes insécurité en plus touché, c'est eux-mêmes violence en plus touché. Je dis, là, par rapport avec la situation, ça. Et est-ce que bandit ça yo qui a terrorisé population, est-ce que c'est le fait depuis à la base yo tellement victime de inégalité sociale, yo tellement yo quartier populaire là, yo pas gagne accès à éducation, yo pas ca l'école, yo pas ca manger, yo pas gagne loisir. Est-ce que jodi an là c'est tout bagay ça yo qui conditionné qui ba nou par exemple chef de gang Izo ti la pri la mort sans jour là qui a prolongé société qui représente un véritable danger mais ça qui vient pour avec sécurité pays. Nous allons arriver sur ça, Yannick. Nous allons arriver sur ça. C'est ça que moi-même m'apprends le soin pour montrer que la société à lui-même est capable d'impacter la question de la mondiale de façon globale.
et qui fait que nous-mêmes nous sommes capables de vivre, comprendre, nous mettre senti et impact des réalités sociales sur santé mentale. Par exemple, il y a un peu de monde par rapport à ça que je vais écrire là. Je peux me lever chaque jour, je lève avec un sentiment de découragement. Je sens qu'il n'y a pas d'énergie. Tout simplement parce que tellement on a lui-même gagné une série de bagailles que lui-même il est projeté pour faire. Et malheureusement, les labels avec la réalité, il n'y a pas qu'à foutre faire. Et que le monde s'arrête même de venir gagner un manque d'investissement. Et ça, c'est des problèmes de santé mentale. Et c'est des bagailles qui coûtent. Par exemple, j'aimerais capable de dire ça. Les pauvres populations qui ont des jeunes et qui n'ont pas aussi, qui n'ont pas investi dans le pays, elles ont investi, ce n'est pas obligatoirement en tant qu'il y a une question d'argent, mais investi émotionnellement dans proposer de bagailles. Et investi en termes d'imagination, en termes de création. C'est-à-dire, population noire, des jeunes, mais son population carrément a manqué investi dans le pays. C'est pas obligatoirement, si on me dit d'ailleurs, avec qui sont comme, mais c'est par rapport avec eux-mêmes, par rapport avec nous, du loyer, par rapport avec talent, du gain, par rapport avec possibilité de priorité projeter dans l'avenir, dans le pays directement. En termes de questions, et qualité de vie que monde ça eux-mêmes, et capacité pour que eux-mêmes, ils arrivent à atteindre une forme de, j'aime bien comment dire, arriver à combler attention, même si combler attention, c'est à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau individuel qu'au niveau social. Au niveau individuel, c'est par rapport à la possibilité pour que l'on capable de développer, d'évoluer, et par rapport avec, au niveau social, gagner une forme de intégration sociale. Parce que la question du travail aujourd'hui, on n'est pas considéré comme un problème de santé mentale, bien sûr. La question du travail, c'est un problème de santé mentale que lié. Leur population de jeunes qui aussi sont capables de. Qui n'ont pas de travail. Bien sûr. Là, on vient que mode d'intégration dans la vie active. On vient que l'imparfait, par exemple, intégration à la vie active, là, c'est à travers le travail que l'on fait dans toute société. Je viens de lui-même, il est véritablement actif, il y a un travail que l'on fait, il y a de attendre que l'on est capable plus ou moins, il y a capable de dire ça. Par exemple, si on travaille, on est capable de faire ce budget. Ce budget, ça, lui permet tout au moins créer une forme de sécurité. Sécurité, l'aime de sécurité, parce qu'on est au moins pour ça, sous besoin de manger, dans ça, on est capable de prendre. C'est qu'au minimum de sécurité, que le salaire là, que la valeur là, paye. Mais là, que le monde n'a pas de travail là, minimum de sécurité, ça que le pas gagne. Son monde qui sentit une forme de sécurité, même pour qui ça demain après, il est capable de faire budget, il est capable de projeter le temps là, non, véritablement. Et véritablement, son problème de santé mentale qui a des clients. Essayez de parler avec différents jeunes qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas de travail. Allez chercher à comprendre qui gens ça sont pas pour eux. Et qui l'autre conséquence, par exemple, la BC, regardez les situations, là, il peut aller vers des conséquences un peu plus graves. Il y a deux mondes qui vivent dans la glace et m'en foutent. Par exemple, il y a un peu de jeunes, qui sont tombés dans la drogue, bien sûr. Et comme il y a drogue, et drogue là, qui ça le fait pour eux, par exemple, bon, je ne dis pas plus comme ça, moi-même, j'aime plus les bonsoirs, c'est une vague. Bonsoirs, c'est une vague, bonsoirs, c'est une vague, réfléchir, c'est une vague. Ça veut dire, question vague là, pour qui ça, un jeune, je ne dis pas, besoin d'une forme de détachement avec la réalité. Ce besoin de détachement, c'est par rapport avec une réalité qui est trop lourde pour le supporter. Et que les gens disent ça, ok, moi, obligé, m'en fous bien. C'est dit, quatre mois fou bien, c'est pas parce que les gars sont moins fou bien que l'hier, c'est parce que la réalité que la vie est insupportable, n'est pas véritablement capable de supporter à toute conscience, au bout de voler, faire nos jeunes en droit, pour que même, au moins, il est capable de supporter la réalité, ça. Parce que les gens vont bosser à lui-même, libère, il n'y a pas besoin qu'on ait le grand, aussi, il va travailler, etc. Parce que là, il est dans notre monde, lui-même. Parce que ce besoin de. Pendant le moment de la tour, il y a des conséquences, il y a de graves conséquences sur la population. Que... Non, bien sûr, parce que dans notre monde, il y a une forme de désengagement par rapport, parce que le Marisico, le bon jeune comme ça, qui est dans l'autre monde, qui est défoncé 24 heures sur 24, mais
sont ressources qui a perdu. Et ça, on va parler de question d'engagement social, là, parce que nous avons besoin de jeunes qui ont engagé socialement par le travail, qui pour permettre pour moi un nouveau économique qui a marché. Mais là, pour comprendre ces jeunes qu'on y a là, qui non seulement pas d'impossibilité de intégrer socialement, et que yo même yo obligé à plaquer dans série de l'autre bagaille pour que yo futuri intégré à vivre blanc et que société à l'état lui-même n'est pas mis des conditions pour garantir l'intégration des jeunes. Vous imaginez même ça ou pas le considérer par exemple question monde et toxicomanie ou pas considérer comme un problème là, mais il est capable d'une forme d'échappatoire par rapport à un problème qui est plus lourd, qui c'est un manque de d'offres d'emploi qui était capable nécessairement d'avoir des possibilités pour que les jeunes s'alliment même intégrer les sociétés à part le travail, et malheureusement, ce n'est pas des possibilités. Donc, comme conséquence, là, dans le CIGADE, donc forme pathologique qui est capable de découler, de problèmes sérieux. Par exemple, il y a des gens qui carrément subissent de graves dépressions. Une agentia et question dépression, il y a une tendance. On n'a pas les deux. Dépression is real, Mais pour des besoins, c'est toujours real. C'est toujours une réalité que c'est toujours. Il y a question dépression. Une agentia, alors, pour un monde qui va comprendre qui ça, de quoi demain sera fait, et que chaque jour que le lever, il vit de traumatisme qui est assez créé dans la ville. On voit le cas de monsieur Desanglo, qui perd du député, mais moi-même, vraiment, sur le plan émotionnel, pour pouvoir imaginer un choc pareil. Comme psychologue, c'est clair que moi-même, pour comprendre, on est capable de recevoir un patient comme ça. Parce que moi-même, déjà, ça a tellement fait un impact sur moi, je ne peux pas comprendre pour me regarder comme psychologue, pour me regarder monsieur Desanglo dans un jeu, pendant que je connais. Vivre ça, ce livre-là. Moi-même, comme psychologue, véritablement, j'ai pas les moyens. Émotionnellement, vraiment, c'est. Si je me dégagais un psychologue, je me dégagais un psychologue. Parce que véritablement, là, à ce niveau, choc-là, nous-mêmes, comme psychologue, nous subissons. Les capacités tout alimenter véritablement pour qu'au moins, il y ait un minimum de dépassement, parce que au moins, le psychologue, lui-même, il gagne. Je n'ai capable de dire psycho-émotionnellement par rapport à recevoir un patient, mais sur le plan éthique, c'est fondamental que les mêmes les référents dans l'autre monde, il y a beaucoup plus qui est capable de recevoir mon ça et ça peut nous capabiliser une dynamique financière, le paradigme en dynamique pour que vous entravez les relations thérapeutiques. Là. C'est-à-dire, lorsqu'on a une société qui a produit de situations de panique, côté que nous lui-même, on en parlait toujours pour nous comprendre, si on comprend la qualité de vie et besoin que la société a lui-même livré, offrir un environnement serein, permettre que nous lui-même arrive à dire, c'est véritablement, lors d'une société qui a produit de formes de violence, c'est mon lieu, capable de créer de peur panique parce que mon gens qui peuvent sortir et au point et risque de ces risques réels que vous avez. C'est pas deux bagages que vous avez inventé dans la tête. Risque là, société a créé risque. Il y a un monde qui comprend panique pour sortir dans la riposte au point. C'est pas un monde qui va inventer si vous avez tout le monde qui perd du rapport avec la réalité. Hein. Ce n'est pas ça que je dis, mais ce monde qui entre dans la réalité hein, par rapport avec niveau de violence et d'incertitude que l'environnement sécuritaire, développons une série de comportements et comportements ça, c'est des comportements qui carrément crispent mon à la limite. Ou une jeune n'a pas peur sortir. Comportement ça là tout, il y a de graves conséquences sur l'économie. Vous êtes capable bien envie de sortir là, ou à long club, ou à faire au moins deux mouns fait pauvre, bien serveuse là, au moins deux fois d'identité, etc. Et le club ça, vous êtes capable d'entrer un petit pauvre en économie au week-end là. Ou au lieu que vous même sortir, ou obligé d'être la caillou. Ça veut dire, situation de peur ça, et pas seulement qui impact. Sur réalité psychologique. Non, mais on impact sur toute société, sur toute économie. Parce que c'est deux comportements, je vous le dis, c'est deux comportements de préservation que nous obligés à adopter pour permettre au moins à la limite que nous plus ou moins
la victime de l'insécurité. Mais ça, tout, il pose de l'autre problème. Par exemple, on a la carrière de l'entreprise, on a bien envie de sortir, ça a été une frustration là, car on a envie de décharger. Mais malheureusement, pendant qu'on est en situation de stress, on vient de charger. Là, on a un autre stress encore, pendant qu'on a un petit plaisir là, pour venir, quand on a un problème qui vient de vivre là, pour venir chercher des stress là, on va taper. Ça veut dire qu'on a envie de la plume et le marteau, tout ça pour venir en termes de stress. Ou obligé qu'un bébé ou pas qu'à déverser, on n'est pas de côté. Ça, c'est le problème encore important pour nous comprendre la question de mental là. Et ça, on est capable de déverser, capable de boucher tout de leurs problèmes, c'est beaucoup plus grave. Parce que situation et pays, hein, prêté à ça, les mailles de leurs problèmes beaucoup plus grave. C'est juste, on va dire, on ne fait rien d'autre. Il y a plus de formes de violence qu'il y a fait. Par exemple, nos maris, on a essayé de garder n'importe quoi. À part avoir les statistiques, dans sa création avec le cas de VBGO, situation pays, à part avoir la violence, il y a assez souvent impossibilité pour que Mounio, même si tu as des fouleaux, très souvent, il y a obligé des fouleaux dans forme de violence. Soit violence au conjoint, ou madame, ou mari, etc. Ou une joie que Mounio stresse là, et situation pays, une run en deux fois, assez souvent, de monde qui est beaucoup plus violent. On a sûrement une possibilité pour les relaxer, pour les sortir, les décompresser, les décompresser. Par rapport à cette situation, ça, Étienne, une question qui est extrêmement fondamentale. Je voulais poser, malgré nous battre ou arrêter, nous allons poser une question sur. Je dis là, est-ce que pas gagné des études qui fait entre psychologues pour essayer d'étudier comportement bandit? Parce que je dis là, est-ce que pathologiquement là pour un bandit, là après c'est au camper bandit pour garder comportement, est-ce que n'exagère pas développer un comportement et sociopathe? Parce que moi garder niveau cruauté nèg là, tout le monde mettez du feu sur lui ou bien tout fin tirer moun nan et puis mutiler le coupe le racher là avec manchette. Je pense que ça son maladie quand même. Est-ce que nous pas essayer garder entre nous pour nous étudier comportement bandit ça yo? Pas obligatoire. OK. Pas obligatoire. Mais bien sûr, il y a deux possibilités d'analyse. Première possibilité d'analyse, c'est une possibilité clinique. C'est-à-dire garder l'individu en lui-même par rapport ensemble avec l'expérience, par rapport avec l'histoire de vie, et tout peut-être par rapport avec ça que l'on gagne rien en termes de relation avec l'autre. Mais tout, il y a un bail qui est important en termes d'autres niveaux d'analyse, c'est garder l'individu par rapport avec groupe d'appartenance. MD, groupe d'appartenance, sans que nous pas essayer de quitter derrière tous les cheminements, monsieur, par rapport avec ma famille, j'ai grandi, etc. Ça vient d'un truc que la société a beaucoup de choses. On a créé le monde que nous avons là. Par exemple, en toi, des questions de gang. Puis, nous parlons pas de gang. Tant que c'est. J'ai pas dit ça. Bon, pour répondre à la question avec la méthodologie que vous proposez là, c'est que, il y a une possibilité pour qu'il y ait deux mondes qui se soient de sociopathes, qui, tout simplement au niveau individuel, développent en forme de pathologie, soit de rapport antisocial, etc. Mais, on a une possibilité donc pour nous faire par rapport avec. Ils ont leur compréhension. C'est pour ça qu'il y a avec études. Il y a une étude qui fait sur les comportements des gens. C'est-à-dire, c'est pas haïtien qui va lui éventer là-haut. Il faut qu'on dise que ça que nous vient là, dans la situation, ça, on n'a pas à faire avec les couples les plus violents qui soient dans le monde. Pour qui ça? Je ne sais pas pour qui ça le par rapport avec deux possibilités d'analyse que nous autres, comme psychologues, nous avons fait. C'est garder société et individuel en lui-même par rapport à la rapport qui peut m'entraîner, garder par rapport avec génétique, par rapport avec l'histoire de vie, etc. Mais tout, là, nous parlons de garder par rapport avec société. En Haïti,
Si on a la société, on est le bien, peut-être que pas gagner un système de protection sociale qui, un système de protection sociale opérationnel. Et permettre de faire des choses qui ne sont pas des salauds, ou
pas qu'on joue un peu. Si le monde s'arrive même, lui, par rapport avec le besoin d'apport financier, avec les communautés qui n'ont pas de il va commencer à aller vers des monde que la communauté a considéré comme c'est des monde qui devraient de prestige. Voilà. Parce que c'est nous-mêmes. Nous sommes des communautés. Non, je peux garder comme des Robert des Bois, etc. Et ça, c'est parce que l'État lui-même n'est pas capable d'assurer minimum de notre part d'État, ni que ce soit en termes de sécurité, ni en termes de logement, ni en termes de questions possibilités pour que vraiment mieux manger s'il n'est pas capable. Mais vous pouvez même, par rapport à la faiblesse d'État, d'y rentrer, c'est ça que le fait. Il peut manger dans la rue, il faut se barmonio. Et que si le monde qui a besoin de ça, et que par lui-même, il n'y a pas de possibilité véritablement pour le faire là, à travers des institutions, de l'église d'État, pour permettre de développer nos valeurs, si le monde ça lui-même, il n'y a plus de possibilité qu'on est là pour lui considérer monsieur Saoukien comme modèle et garder tête les tout à travers lui-même. Par exemple, imaginons si le monde, moi-même, je ne veux dire où même, pour à l'école, je sais quoi l'école, si c'est que c'est vrai ou pas, je fais des bains, nous pas qu'être menti, je fais des mois, je vais conseiller tout le monde, nous prenons pas le coup, je vais faire des bains, et que nous-mêmes, en notre société encore, nous bien tant des petits mouns salés, pour petit, nous considérons comme raté. Nous stigmatisons. Et voilà que si mouns salés, on y a la vie, il y a un espace où il y a de la valeur. Il y aurait le chef là, il y aurait le soldat. Non, sérieux. Ça que nous-mêmes, nous parlons dans notre société, que nous sommes capables d'intégrer ces mouns-là, non. Espace parallèle que vous pouvez construire dans la communauté, voilà que tout le monde s'est même mis nos soldats, il est nos lieutenants, il est nos chefs. Est-ce que tout le monde ça, que nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas de reconnaissance? Mais c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure de pyramide de Maslow. Il y a besoin d'estime de soi à l'infondamental. Et assez souvent, le monde qui entre dans le gang, il n'y a pas de besoin de tuer, il entre dans le gang pour un besoin d'estime de soi, de valorisation de soi. Au moins, le monde s'arrête, il y a un soldat. Et là, on campe de bon tour avec nos amis de soutien, il montre que il est capable de prendre vie, même si tu es soigné, il n'y a pas de pipi sur vous. Donc, pour imposer, si vous comprenez bien, il y a besoin d'une autorité. Autorité, ça, je veux dire, c'est non groupe gang, c'est non clan, vous jouez. Vous sentez à l'aise, vous sentez confortable. C'est pas seulement autorité à que vous avez besoin, mais vous avez besoin d'apport. Par exemple, nous tous, nous avons besoin d'apport de nos salaires fondamentales. Nous avons besoin de quelqu'un qui compte sur nous, qui prend nos valeurs. Je vous dis, à travers votre part de journaliste, et quelqu'un de monde qui compte sur nous, vous avez besoin de réaliser l'émission là. Ou obligé de mettre l'online dans l'heure pour mettre là. Et pour qu'il y ait un pour bon réseau, pour que vous capable de lancer des professionnels, ou capable de les qui sont disponibles pour ça lui-même en termes de valorisation, pour sentir que vous appartenez à une société, pour sentir que au moins vous faites un travail qui a un sens. Mais on dit monde, par exemple, c'est même la question familiale, on m'a dit que fondamentalement, pour que toujours être de l'amour, je vais avec eux. Mais tout le monde ça qui est dans la société, lui connaît, c'est sorti de vous dans la société basse là, leur voisin ensemble, pas avec lui. Ou après le petit coral, ou après le petit souci de là. Mais là, tout le monde ça lui-même, dans le village, il n'y a pas de petit coral. Ils sont lieutenants. Ils sont soldats. Si le monde est un soldat, ça a besoin d'estime.
société est fondamentale, c'est ce qu'on appelle de santé mentale, et je veux dire, le fondamental pour la société, c'est à dire même des postures, si nous voulons savoir, et c'est ça des systèmes qui posent fondamentales, conscients de toutes questions, et permettre aux individus qui ont voulu dans la société, l'idée de développer un minimum par rapport à un mode d'intégration opérationnelle et en notre société, que ce soit par le travail, que ce soit comme ça qu'il est capable de dire. C'est okay, par rapport à notre société, hein. C'est pas parce que c'est le sociopathe que mon lié est né, qui vient faire qu'il y a une gagne. Mais une situation sociale d'exclusion, qui a discriminé monde, qui a fait monde par monde, côté que qui prêtait à ça. Et les gens même, je ne veux pas dire que les gens ont senti le monde. Les journalistes ont besoin, les gens ont appris l'aile, les policiers ont appris l'aile, et plein après son lit là, pour des amendements, une institution avec toute l'autorité. Mais quand il est dans ce petit coco là, tu vas aller, oui. Il n'y a pas de connaissance. Du tout pas. Ça veut dire, je ne veux dire pas de santé mentale. Là, ce besoin d'estime et d'actualisation est fondamental. C'est-à-dire, Maslow avait raison. Et je ne veux dire, en cas de société, à part avoir avec des amis, là, ou à point que, en pile problème qui a pu se poser au niveau de société, là, c'est deux problèmes qui commencent. Bien sûr, par rapport à la question de santé mentale qui est mal posée, et par la politique publique, hein, pour permettre que au moins mon arrivé épanoui sainement et vivre évoluer sainement par rapport à des structures comme le travail et des institutions qui sont même connectées avec ça. On voit déjà que il y a des jeunes et que besoin ça lui aussi présent là d'ailleurs et qui parlent tel par les temps jeunes, qui parlent passer par de l'ordre en forme, qui n'a pas baillot, ça, parce que c'est des besoins humains fondamentaux et naturels. Ça, il y a quand même besoin d'amour, d'estime de soi, etc., d'actualisation de soi et d'appartenance, etc. C'est deux bagailles qui, carrément, innées. Ou après, je vois que, même en France, je ne veux dire, par rapport avec ça qu'il y a avec Al-Qaïda, quand il y a qui a quitté le pays, la France, etc., par rapport avec ce besoin d'appartenance, puis elle participe à la djihad. Parce qu'au moins, on pense que son idéologie, qu'on l'attend, etc., il appartient à une vie de cause, etc., etc. Ça, c'est deux bagages qui sont humainement compréhensibles. C'est pas parce que c'est deux sociopathes que vous voyez, non, mais société a produit de lui par rapport avec incapacité pour l'immigrer. Et construit ça comme d'après l'état de l'heure, qui c'est une qualité de vie, qui plus ou moins, une forme de qualité de vie, qui plus ou moins permet que nous grandissons, nous épanouir, et intégrer ce système qui permet que nous faisons une forme d'actualisation de soi et conformément avec ça que nous sommes capables de faire comme des attentes et hyper acceptables. Nous finir, Étienne, et nous allons gagner 5 minutes. Déjà? Nous allons finir tout à l'heure, mais bien avant, moi j'ai deux dernières questions pour vous. Et première question, est-ce que je dis là, li facile pour vous faire réintégration des jeunes délinquants, que ce soit des petits jeunes qui sont dans la rue, et enfants soldats, ou bien des petits jeunes, tout cas jeunes dans le groupe gang. Est-ce que le facile, je dis, pour faire réintégration dans la société, parce que c'est eux-mêmes, en plus, ils ont fait société à mal, ils ont kidnappé, ils ont assassiné, ils ont viol collectif, etc. Et deuxième partie question, dans la situation payante, qui ça nous a fait pour nous retirer Haïti? Qui niveau implication population haïtienne ta doué mette, ta doué gagne jodi an la, pour retirer pays en côté li la? Dans 5 minutes, nous pral fini en aller. Est-ce que vous possibilité de vous réintégrer? Yannick, pour la question là, vous voulez poser, est-ce que les jeunes savent que vous êtes intégré déjà? Est-ce que vous êtes intégré, qui quitte, ou vous êtes intégré? Par exemple, vous avez dit, si moi-même, comme jeune, psychologue, etc., qui travaille, qui montre que pas mal. Vous êtes le com, mal fait de l'activité, il a dit, ah, son nègre, qui carrément est besoin d'intégrer, parce qu'il est intégré déjà. Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas de parler, et les gens qui disent, non,
Communication pas bon, li pas bon même. Non, non, pas de mieux même, li pas bon. Allô? Là, m'entendo. Oui, on doit savoir même bloquer son communication, tout doit être ici, ça, il n'y a pas été vexé. Donc, on peut profiter de faire une consultation parce que. Voilà. Ouais, c'est dire que j'aime bien Yannick, c'est que lorsque vous commencez, je ne sais pas, jamais, je ne sais pas, on va parler de réinflation. C'est même, j'aime bien changer d'ambiance à l'université, nous avons coupé les enfants inadaptés. C'est dire, réagir. Mais pour les questions, ça, on a dit, le nouvel est un enfant inadapté. Est-ce que, véritablement, société a lui-même été offert un cas d'adaptation pour parler de lui? Enfin, il adapte. Pour qui ça? Quand c'est que ça a été déjà, Yannick, c'est que en société, on met la forme plus ou moins une possibilité pour les mêmes étapes, pas être mon nom, pas être le climat, c'est pas être mon nom, mais on essaie de sécurité à la famille émotionnelle, de sécurité pour le monde, pour être capable de manger, pour être au minimum de droits, pour être capable de discuter dans ce pays. Communauté, il y a une responsabilité dans la question, pour ne pas parler de l'histoire de ça fait que nous autres, il y a un peu de nous parler, en plus de ça qui est un peu plus de donc, au moins, monde qui est dans la société, communauté, il y a un retour positif sur ce monde, pour que, par exemple, on est capable d'appeler des gens. Non, mais la communauté, au moins, il y a un comme militant, il y a créé de stigmatisation sur ce monde-là, si ce monde-là est capable de grandir avec une forme de stigmatisation. Surtout, si ce monde-là lui-même, il y a une famille qui, pas gagner pour moyen pour aider les timides, pas gagner pour moyen pour aider les gens, ou après dans la communauté aussi, en plus stigmatisation, effectivement, ça a eu stigmatisation, ça a eu capable de débaucher sur des formes de frustration. Et frustration, ça a eu, les timides, ils ont eu un espace, donc on vous gagne, qui permet que diverses frustrations, ça a eu, ou après que c'est un problème qui vient de déboucher sur ça comme ça. Mais on y a là, dans tout le pays, les gangs, États-Unis, dans la ville de Baltimore, il y a plus de et en situation de gang qui a fait la vague. On est là, ça que nous venons là, non seulement nous venons jouer ces responsabilités d'État qui nous baillent. Si en plein quelqu'un là, vous gars qui sont pour qu'on n'aille pas gagner, même créer tout ça, ça est quand même plus. Est-ce que nous sommes capables de réintégrer les jeunes? Bien entendu, bien sûr. Tant qu'on a des institutions qui sont d'accord pour que les jeunes soient eux-mêmes bien dans les deux, ils savent qu'ils ont besoin véritablement. Est-ce que mais, c'est même pas le besoin. On a besoin de soi, de la qualité de soi. Mais nous, on a besoin de liberté. On a marcher, on a conseil de bataille. Tout ça, un coup. Oui, il est nécessaire. Il est bon, il y a possibilité pour que nous essayions. On ne va même pas de réintégration. On va pas intégrer de ça dans la communauté. Mais bien entendu, ça, il y a des institutions. Et là, par exemple, même prison. Prison sont institutions de réinsertion tout à fait. En tant que les capables des possibilités pour que les permettent d'en même plus en peine, mais d'y gagner deux fois pour que les essayer individuels, et à réintégrer individuels dans le secteur. Mais institutions de réinsertion, avec monsieur, parce que l'on est sur la prison, c'est une prise de l'écart que l'unité de l'Europe, ils sont. On est à vous les mêmes questions. Est-ce que des possibilités pour nous retirer le pays à ça? Non seulement il faut l'avantage. C'est non, ego qui a battu tout le monde dans le pays. Tout le monde est ego, surdimensionné, démesuré, qui va permettre de choisir ensemble. Pays n'a pas de
problème véritablement pas la raison. Mais tout est pays, il y a un monde d'engagement par rapport avec le pays, et tout le monde a regardé des questions par rapport avec le pays. Deuxième barème considéré dans la question ça, c'est qu'il y a une attitude chrétienne. Vous savez, l'attitude chrétienne, papa, c'est toujours la même. C'est-à-dire que chaque mec qui est dans la politique, la pensée, c'est le Messie. Si c'est pas eux-mêmes qui fait, il y a l'autre monde qui a fait. Ce qui fait que chaque monde qui est dans le point, il y a un lèvre par eux, il y a un shoot par eux, pour se faire, pendant ce temps, on va payer comme des bâchés. C'est tout simplement ça qui est le problème. Il y a tout le monde besoin de tirer sur celle-là, dans le point. Mais troisième niveau question, on va avoir le problème de l'IA, nous avons un pays qui prend carrément par la mafia. Depuis, avec la venue de M. Lissa, il n'est pas concerné d'accepter, il n'est pas concerné, il y a des concernés Étienne Jean-Roulin. Depuis la venue de M. Martelly sur le pouvoir, avec tout acolyte, il a carrément pris toute institution PIA pour régler de l'autre bagaille. Autre que, il y a une politique qui est capable de permettre de arriver en situation de pouvoir. Mais il y a carrément instrumentalisé des institutions pour qu'il y ait des barrières carrément personnelles qui n'ont pas gagné un lien pour aller dans les États. Donc, il y a des institutions qui carrément à genoux. Aujourd'hui, il y a le système de justice là, plate à terre. Nous ne pouvons pas parler du Parlement, nous ne pouvons pas parler de la présidence. Ça veut dire pas aucune institution démocratique qui a fait dans le pays. Ça veut dire toute institution crase plate à terre et que au bon petit groupe mafia qui a géré les questions dans l'économie. Et pas aucune possibilité de régularisation, etc. C'est-à-dire, je ne veux dire, il est nécessaire pour que au moins il y ait des sûr, n'a pas mis l'économie de côté, pour une chita pour me dire non. Au moins, qu'on bagaille, qui c'est un patrimoine commun que l'on qui c'est la République d'Haïti. Au moins, nous disputer pour nous assiner à sauver. Parce que moi-même, qui suis en fierté, j'aime toujours dire, c'est être haïtien. Pour qui ça? C'est parce que m'éviter une histoire glorieuse et hérité tout de ça me capable les sacrifices sur une série de monde pour certainement qui te choisi bataille ben sans pour ça et j'aime toujours dire les être haïtien comme chaque haïtien comprendre ça journée aujourd'hui c'est pas une fatalité mais c'est une responsabilité son responsabilité aux yeux du monde être haïtien on nous a fait croire que c'était une fatalité oui d'être haïtien aujourd'hui mais non être haïtien c'est une responsabilité. C'est une responsabilité aux yeux du monde. Et chaque Grenadien est supposé que ça a la tête. Être haïtien, c'est une responsabilité historique. Et je ne veux pas dire, si c'est un peu là, c'est parce que nous ne pouvons pas être au sérieux et c'est parce que nous ne pouvons pas considérer que être haïtien, c'est une responsabilité. Haïtien, dans quelque sorte, nous supposé passer, nous supposé un véritable dégât. Et que pays ça, nous avons une responsabilité pour nous faire notre exemple. Parce que c'est la première république noire. Et on a changé la donne à travers l'histoire. C'est-à-dire, il est fondamental pour que chaque Grenadien, et même ce qu'a fait politique, yo, je comprends que l'État haïtien est une responsabilité, et que, en dehors de tout ça, il est capable de bien comme égo, parce qu'il y a une façon de répondre à la responsabilité. Ça. Bien. Et bon, avant mal, je vais vous connaître comment vivre la situation et la manifestation qui vient au Kailan là. Parce que depuis dimanche, il y a barricade, lundi, mardi, manifestation, jeudi en là. Et il y a barricade, m'apprendre qui est au Kailan avec barricade. Et comment la situation, attention, il n'y a pas dans la zone ou pas touché par rapport avec le problème ça? En fait, ça qui veut, c'est que là, je suis côté de mais si on a appris une lampe, parce que j'ai appris une lampe, j'ai appris bien aujourd'hui. Pour moi qui connaît au Caï très bien, c'est à quelques pas de. C'est à quelques pas de. Je suis capable de dire, j'ai des botaniques là. Et déjà, l'origine, j'ai été coupé ensemble avec lui là, parce que l'origine, on l'est carrément barricadé. Ça n'a pas aucune possibilité, ni par moto, ni par machine, pour m'entrer dans le Caï. Pour m'entrer dans la ville, c'est une ville locale, il y a à peu près à 10 minutes. 10 minutes, 5 à 10 minutes. 5, c'est 10 minutes, oui, 10 minutes, tout dépend de qui exactement pour lui, pour me capable de venir dans la ville locale, côté de et si je n'ai pas de bloc, 5 minutes, etc. C'est-à-dire, pas de véritable possibilité de circulation. Mathieu, je vais vous parler ensemble avec vous. C'est une moto qui passait, pas de aucun
circulation machine pour ville locale, pas de travail, la banque fermée, toute activité complètement fermée. Et malheureusement, moi-même, pas carrément, je suis dans le genre de situation, mais côté mieux joueur, moi, je suis senti pour par rapport avec le ralentissement de circulation. Et parce que là, pas de vraiment machine. Et on va tout, même si boutique qu'on desservit dans la zone, non, qu'on s'en démonte à tout, pas de tel ceci, pas de tel cela, parce que on va arriver là. Donc, situation compliquée là dans la ville locale. Donc, rete. Allô? Oui, c'est nécessaire. Et oui, l'Okaï a une situation panique dans la ville. Il y a tout le monde qui mourit. Il y a deux monde qui mourit dans la ville. Il y a deux monde qui mourit dans la zone Simon, ou qui a tombé en pile cartouche. Il y a dans la ville locale, il y a un pile en pile cartouche. Et en fait, il y a un monde qui mourit. Il y a un dépôt carré parce que dans la ville pillage qui fait tout. La ville locale hier. Et là, nous sommes au troisième journée, hein, pas de rien qui change. Pas de rien qui change par rapport avec le jour précédent. C'est même catégorie là. Et bon, on a essayé de regarder déjà l'évolution de la situation à pied. Est-ce qu'au cours de la journée, il y a un autre mot d'ordre? Mais là, c'est pratiquement même catégorie là. Rien n'est pas changé. Et pas de rien plus de monde dans la rue. Hein. Donc, que moto n'a pas vraiment circulé, c'est une de moto passée. Pour machine, même, pas de ça du tout. Pour un pile, mon tour en ville locale, il est obligé de prendre une bicyclette. Parce que bien un pile, les mon tour déplacé, je ne veux pas c'est par rapport à l'histoire. Donc, au ralentissement qu'il y a ensemble avec son moto, il y a avec une rentrée de gaz. Parce que je ne veux dire, en ville locale, il y a un gaz à 23-50 dollars, il y a eu 400 dollars. Et il y a eu 400 dollars. Et bon, moi-même, là, pour voyer de l'eau en l'air, pour voyer son galon gaz que ma chef mettait dans Delco pour voyer de l'eau, là, on a essayé de chercher. Et déjà, à 350 dollars. Donc, je pense que ça, tout, mais c'est une autre facteur. Pour ouvrir la classe moyenne, puis au final. Bon, oui, c'est un autre facteur qui explique que sur le ralentissement, parce que, quoi, même l'argent, machine, pour camionnette, parce que la cible de la ville, il y a deux, ça, deux seuls. Même taper 100 bouts de moto qui va mettre dans la ville, mais je ne veux pas dire si besoin de la ville, je veux 80 dollars. Je veux 80 dollars par rapport à l'aide, c'est aller-retour, 80 dollars. Et aller-retour pour une moto, mettre dans la ville et retourner ensemble avec moi. Donc, voilà, c'est vraiment compliqué. Et malgré que le gaz en lui-même est une soeur, mais il n'est pas accessible. Il n'est pas disponible. Donc, la prudence est de mise et. Donc, prends toutes les précautions nécessaires et puis, m'espérer dans la prochaine occasion, on a gagné et plus de temps pour nous parler. C'est un plaisir pour me te recevoir, Etienne, déjà roulé dans l'émission aujourd'hui. Merci, Etienne, et on a croisé l'autre fois. Merci, Annie, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous matin, pour nous parler ensemble avec vous, Etienne, à travers l'émission ça, parce que n'importe quoi, on peut être disponible pour l'émission, pour nous capables d'essayer de regarder ce numéro. Et puis, regardez si ensemble, nous avons besoin de solutions parce que je pense que j'aime pas tout à l'heure, c'est nécessaire. Les Haïtiens sont responsabilités, c'est pour fatalité. Et c'est nous qui pour tenter à nos niveaux que nous sommes capables de répondre à notre responsabilité. Ça. Merci un peu pour disponibilité. Bonne journée. Bonne journée, Annie. Ben, voilà. Moi, j'ai gagné une très belle émission pour moi personnellement avec psychologue, journaliste Etienne Jean-Roulin. Mais m'espérer que on va pas apprécier travail là parce que c'est pas chaque jour venir là venir faire politique dure venir parler de André Michel, Ariel Henry, Michel Martelly, venir parler de Jovenel etc. Parce que gain l'autre problème qui plus fondamental toujours gain l'autre problème qui plus profond en dedans société hein dans la population haïtienne là qui méritait pour nous poser regard pour nous faire un coup d'œil sur yo. On nous garde problème ça parce que je dis là problème santé mentale là c'est un facteur clé qui mène pays en côté là c'est un facteur clé qui crée toute violence nous en dedans pays toute insécurité question grand banditisme c'est tout bagaille ça yo parce que c'est pas un bon matin ou le rejoindre zoti l'appli c'est pas un bon matin ou le rejoindre l'amour sans jour ou le rejoindre G9 ou le rejoindre GPEP etc. Moun sa yo ki nan tête gang sa yo, ki nan tête fédération bandi sa yo, yo gon parcours, yo gon histoire. Comprenez bien jodi, si nous voulons résoudre problème et sécurité, problème grand banditisme, c'est étudier moun sa yo. Gade ki impact yo gen nan société, gade ki impact société a gen sou yo.
Et c'est ça que fait, moi-même, décide de faire consultation ça pour nous. Son consultation gratis pour les Haïtiens, parce que je travaille pour nous. Je cherche ça bon pour nous, dans l'intérêt nous. Donc, comprenez bien. Et nous t'attendons, psychologue, là, qui t'a raconté, nous, que jodi a li fondamental pour parents, yo, voyez les yeux sous petit yo. Sous timoun yo, li important pour nous voyez les yeux sous timoun yo, sous environnement yo, sous fréquentation yo. Pour éviter dérive, pour éviter plus problèmes demain. Si éducation, si loisir, si tout bagay sa yo, si épanouissement rentre nan bien-être ti moun nan ki pral edo pi devan bon ti moun ki pa nan gang, bon ti moun ki pa ki pa koube en bas influence gang, en bas influence bandi, ou pral comprendre que jodi an la en tant que parent, en tant que personne responsable, en tant que haïtien, lè nou gen possibilité, lè nou jwenn moyen pou nou edon l'autre, c'est fait. Donc jodi an la, problème éducation, question éducation, li doit priorité l'état. Mais puisque l'état pa vle prend engagement, l'état pa mette politique publique dans ça qui gen pour avec éducation. Yo pa mette dans ça qui gen pour avec santé, yo pa mette dans ça qui gen pour avec épanouissement. Gardez ça qui passe dans quartier populaire yo. Année dernière là, l'école Matisse pa gen l'école qui fonctionnelle. Il y a plusieurs côtés là dans quoi des bouquets pendant le mois sans jour t'as ferraille là pas gen l'école qui fonctionnelle alors que ti moun jodi grand moun demain pas gen pays sans éducation pays pas ka fonctionner sans éducation nous pas ka faire pays sans moun qui éduqué sans moun qui compétent et c'est parce que faut nous jodi la responsabilité nous jodi c'est parce que nous quitter trop incompétent trop petit vagabond occupé fonction en dedans l'état occupé fonction en dedans pays et jodi on a payé pour casser yo n'a payé pour casser yo pour qui ça parce que nous te fait des mauvais choix donc jodi là yon le font encore m'a dit non projet rentrer l'école là là li pas arriver à 30% non 150 ti moun pourquoi on a 30% projet à la qui comme si pour me dire il y a la brille réussi là non alors que n'a parlé de éducation n'a parlé de aide ti moun et moi même que on veut que on parle moi pas bailler vague avec lui objectif là c'est arriver voyez 150 ti moun l'école année a n'a bailler fourniture scolaire n'a bailler livre n'a bailler valise n'a bailler l'autre matériel pour rentrer l'école et lui obligé fait et la fait. Donc, une des raisons, je dis en là, je retourne côté dans faire émission encore parce que c'est contribution nous toutes qui pour bailler projet à vie, qui pour réaliser projet à. Numéro émission à passager 3896 3819 ou même qui veut supporter ou même qui veut contribuer dans l'initiative ça ou ka aider un petit monde ou ka parrainer un petit monde à partir de $100 et m'a dit ça hier m'a montré nous prix livre. Hier m'a montré nous prix livre mes amis. Imagine aujourd'hui, ouais hier yeah. L'argent te 150 goud lan. L'argent te 150 goud lan. Nèg yo gen ta fait tout ça, yo konnen yo gen ta baisse l'argent. L'argent, bon, matin la m'poko checker pour moi tout du jour là. Parce que nan bank la gon to, nan la rue gen to, nan secteur informel la gen to. Hier, nan secteur informel la, kob la gen ta descend à 16. On est $16 pour $1 américain. Par contre, c'est manifestation Moïse social là. L'argent descend là, c'est une bonne chose. C'est très bonne nouvelle autant de l'argent descend. Mais pour nous, faut le ministère des finances, faut le ministère du commerce prenne responsabilité, ou assume responsabilité yo, parce que jodi même nèg sa dans secteur privé, le l'argent té ou té même produit nan men yo, produit té acheté, le coble té 90 goud, c'est lui même l'argent monte 150 goud, yo couri monte produit. Jodi l'argent descend. Faut nous mande moun sa, dije moun sa pour descendre prix. Et produit tout. On livre, on regarde dans Henri Deschamps, 40 500 combien goud. Jodi an l'argent descend avec 16. Pour $1, il y a $16. Faut que livre l'an ka descend tout. Koun y a pral gade nèg la pral vin dou, livre la pral te get achete papier à prix cher, etc. Y a pral bo 1000 excuses. L'argent descend, c'est une bonne chose, mais faut prix produit descend parce que si prix produit pas descend, c'est quoi venir faire pour la faire? C'est quoi venir faire population faire? Donc comprendre bien, défi en pile devant là, projet c'est que ti moun nan son gros défi et faut qu'il concrétiser, faut qu'il réaliser. Donc m'a tant de contribution, m'a tant de support, numéro à pas changer 3896 3819 et m'a invité au partager vidéo, à partager émission parce que
soit très belle émission, soit émission qui vient pour avec santé mentale et jodi an la chaque grenaïse qui vit en Haïti par rapport avec liberté pas gain, par rapport avec épanouissement ou pas ka fò pas joindre dans dedans pays pas gain activité et pas gain loisir ou pas ka sorti gang tout côté insécurité tout côté ou pas vivre diaspora yo en congé yo gain yo en retraite etc. yo en vivre la caillou yo retourner la caillou venir investir la caillou pas capable donc haïtien toute condition créée pour santé mentale là pour l'affecter. Donc on nous partager l'émission, prendre temps pour nous entendre l'émission, n'a pas réellement c'est pas seulement problème politique pays en gain, c'est pas seulement problème insécurité pays en gain, mais faute de bonne gouvernance, jodi Haïti son pays et que nèg yo créé toutes conditions pour pays a débat fini. C'est un plaisir pour me dire avec vous. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick la même voix, rien hein, pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'à bien informer avec Yannick.